Je ne vois pas comment on va travailler pour arrêter une équipe de courir. Ça, en tant qu'entraîneur, on a été dans plusieurs formations. Je n'ai jamais appris qu'on peut arrêter quelqu'un de courir. On peut peut-être stopper les ballons, mais pas quelqu'un. Et quels que soient les entraînements qu'ils vont faire, je suis certain qu'ils ne vont pas nous arrêter à courir. On ne cache rien. Nous avons des gens qui vont vite sur les côtés. Et c'est à eux de faire en sorte qu'ils n'aillent pas vite. J'ai doute fort. On a vu cette équipe, avec le ne s'est pas produit à 100% comme on s'attendait. Cela se justifie d'abord par la durée qu'on a passée en terre béninoise sans trouver un terrain pour les entraînements comme il fallait. Nous avons été, je dirais, malmenés, puisqu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de s'entraîner sur un terrain avec pelouse naturelle comme on s'entendait. Sachant d'abord que V-Club est une équipe très efficace sur le bar arrêté. Et quand vous jouez contre une équipe, c'est regroupe facilement avec des blocs, vous commettez des fautes. Et ça, on est sûr, il y en aura assez. Contourner la défense de Burkina Faso, je crois que ce n'est pas un problème. Peut-être, je ne veux pas dévoiler ce qu'on va faire demain, mais c'est qu'il est certain qu'ils auront du mal. Ils auront du mal à nous battre sur ici à Kinshasa. Et je m'excuse, pour les blessures, il y a encore des joueurs qui sont blessés, mais on a un banc riche. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué le premier match, mais qui vont apparaître pour la première fois sur le terrain. Nos habitudes à nous, c'est courir, on va faire courir beaucoup de gens, puisqu'on a vu, on a observé, je ne sous-estime pas l'équipe de Burkina Faso, on a vu une équipe avec des athlètes un peu lourds, très volontaires, ça j'admets, bravo, très volontaires. Mais on a vu des joueurs aussi trop lourds qui ne vont pas supporter 90 minutes de course. D'abord, ils travaillent, je l'ai dit tout à l'heure, là, qu'ils comptaient beaucoup plus sur les tirs au but. Mais nous, si on a des gardiens qui ne sont pas moindres, celui qui est à côté de moi, s'il faut se qualifier par ce tir au but, nous faut aussi nous qualifier. Mais je l'ai dit et je le répète que la séance de tirs au but n'aura pas lieu. Mais ça, il y a un gars qui a Bazako lila toke na phase de poule occasion yango baya ebele baya ko fingate baya ko encourager ba jeune abang. Voilà, c'est en quelques mots, c'est ce qu'on souhaite. Je dirais comme le coach a dit tout à l'heure, on s'est procuré beaucoup d'occasions au match aller, mais sous l'effet de la précipitation, parfois on n'a pas su faire le bon dernier geste. Mais là nous sommes revenus, on a remis des bases et on travaille dessus pour qu'on soit plus calme, plus ici devant les buts, et je pense que demain ça va passer normalement. Vous jouez à la maison? Ouais, ouais. Et surtout qu'on aura le soutien du 12e homme, ça va vraiment nous booster afin d'aller chercher cette qualification. Non, nos motivations, elles sont simples. Je vais commencer par là, elles sont simples. C'est d'entrer en phase de poule, de se qualifier pour ce tour. Et on n'a pas double pression, mais on a l'objectif et le devoir de montrer à tout le continent africain que non, le football congolais n'est pas mort, parce que ça va être une grosse faute professionnelle si jamais Vita Club était éliminé demain. Ça va faire deux grandes Afriques qui sont tombées, et du coup c'est pas notre intention. Nous devons nous battre pas seulement pour nous, mais pour tout le football congolais demain. Donc c'est ça qui nous motive encore plus.